Bonsoir, nous sommes le lundi 14 mars 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue, notre émission de ce soir est consacrée à Nathalie Arthaud. Elle est notre invitée. Elle est l'une des 12 candidats et candidates à la présidentielle pour Lutte ouvrière. Mais avant de recevoir Nathalie Arthaud, la palme de la mauvaise foi, c'était ce week-end sur Radio J. Est-ce que c'est vrai que vous considérez que c'est Jean-Luc Mélenchon qui pourrait être qui est derrière ces accusations contre vous de Mediapart ? Est-ce que c'est vrai ? Non mais j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'Edwy Plenel a appelé à voter pour Mélenchon, que c'est le directeur du journal qui a fait cette enquête sur Mondo. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Vous faites un rapprochement, toi. Je savais bien que en me présentant à cette élection présidentielle, je savais bien qu'en suscitant une certaine sympathie et même une dynamique autour de la campagne que je porte. Qu'il y aurait une partie de Baltrap qui serait ouverte, les coups tombent, je m'y attendais, je m'y suis préparé, et rien, mais je vous le dis, rien ne me détournera de cette campagne d'élection présidentielle et des élections législatives qui suivront. Je dirais même que tout cela, non seulement me renforce, mais nous renforce collectivement. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, partie de Baltrap présidentielle, Plenel proche de Mélenchon, la partie de Baltrap, elle vient de chez eux. Je ne dis pas ça, moi. Les Français jugeront eux-mêmes. Salut Fabrice. Salut Martine. Tu co-animes le pôle enquête de Mediapart. Beaucoup de choses dans cette minute d'interview du candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, dont Mediapart a révélé qu'il avait été rémunéré comme assistant parlementaire de 2009 à 2014, alors qu'il travaillait en réalité pour le Parti communiste. On va revenir sur ses propos, mais d'abord en quelques mots, les points forts de ces révélations de Mediapart. Oui, c'est une enquête, faut bien le dire, absolument formidable, de Pascal Pascariello et Antoine Rouget, qui ont collecté de très nombreux documents et témoignages qui montraient que, alors qu'il était rémunéré sur fonds publics, donc l'argent des contribuables, pour un emploi à l'Assemblée nationale comme assistant parlementaire d'un député communiste du Nord, Jean-Jacques Candelier, en réalité, Fabien Roussel n'était jamais vu dans des œuvres parlementaires ou à l'Assemblée nationale, mais travaillait en même temps à temps plein au Parti communiste français. Ce sont des affaires de mélange des genres qui sont documentées par la justice pour d'autres partis politiques, le modèle le Front National, et c'est exactement ce qui a été mis au jour par l'enquête de Mediapart, y compris avec un document sonore du député employeur de Fabien Roussel, M. Candelier, qui lui-même reconnaissait que la situation posait de gros problèmes. Alors, revenons sur les propos de Fabien Roussel, qui mettent clairement en cause notre travail. Donc, une petite mise au point s'impose. D'abord, est-ce que Edwy a appelé à voter Mélenchon, comme le dit Fabien Roussel? Alors, il y a beaucoup de choses parfaitement farfelues et inexactes dans ce qu'on vient de voir et ce qui a été dit dimanche. La première, c'est que Edwy Plenel n'a jamais appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il a seulement fait un tweet, comme il en fait beaucoup. Edwy, vantant l'espèce de cohérence qu'on pouvait voir dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement ce que, par exemple, un éditorialiste politique bien connu, Thomas Legrand, a dit ce matin sur France Inter. Il n'est pas réputé pour être un journaliste insoumis. Plus globalement, Mediapart n'appelle jamais à voter pour quiconque, a fortiori avant le premier tour. Il a pu arriver dans l'histoire du journal qu'on appelle à voter contre et contre l'extrême droite. C'est pas non plus Edwy qui a commandé cette enquête. Non, Edwy, il est directeur de la publication du journal et président de la société. Directeur de la publication, ça veut dire qu'il est notamment responsable pénalement de tout ce qu'on écrit devant les tribunaux. Et si d'ailleurs Fabien Roussel peut nous poursuivre, et c'est son droit en diffamation, le premier qui sera poursuivi, c'est Edwy Plenel. Je dois dire qu'il n'y a absolument aucune plainte en diffamation, mais il n'est pas directeur éditorial. Mediapart a deux directeurs et directrices éditoriaux, Stéphane Aliès et Karine Foutot. Et Edwy a été prévenu qu'avant la publication, mais pas du tout au début de l'enquête, de l'existence de nos recherches, il n'est en rien derrière tout ça. Est-ce qu'on est pro-Mélenchon à Mediapart ? Mais ça me fait sourire parce que c'est toujours la même chose depuis bientôt 15 ans qu'on existe. À chaque fois qu'on sort une affaire, il y a une sorte de colère toxique, partisane, militante qui se déverse comme ça dans les commentaires et les réseaux sociaux de gens qui ne peuvent pas comprendre ce qu'est l'indépendance d'un journal et sa boussole qui est de publier des informations vraies
et d'intérêt public. Nous ne sommes pas plus pro-Mélenchon que nous serions anti, je ne sais quoi. Nous sommes journalistes. Et concernant Jean-Luc Mélenchon, nous avons publié beaucoup d'enquêtes, d'initiatives avant même que la justice s'intéresse à certaines pratiques depuis un certain nombre d'années. Antoine Rouget, d'ailleurs, le même co-auteur de l'enquête sur Fabien Roussel, dont tout ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, on est tellement pro-Mélenchon que lorsque ces enquêtes ont été publiées sur Mediapart, Jean-Luc Mélenchon avait réagi, on était en 2018, je le cite, « Plenel, quel naufrage du trotskisme à ce niveau de caniveau après avoir dirigé le monde, je laisse les gens vous dire ce qu'ils en pensent à ce niveau d'agression et d'ignominie, il n'y a plus besoin d'argumentation. » Effectivement, à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'argumentation. La démonstration est parfaite de la proximité entre les deux hommes. Exactement. On nous reproche aussi d'être macroniste, faudrait savoir. Mais oui, mais on est toujours l'ennemi du camp d'en face. C'est si vrai sur Emmanuel Macron que Mediapart a publié récemment avec la revue dessinée une bande dessinée qui reprend 5 ans de nos révélations embarrassantes sur le quinquennat Macron, que ce soit l'affaire Benalla, l'affaire Dupont-Moretti, l'affaire Alexis Kohler, l'affaire de Rugy et bien d'autres. Donc tout ça n'a aucun sens. Mediapart ne fait que son métier de journaliste d'informer et encore d'informer, quitte à bousculer certaines convictions. Alors justement, rappelons la méthode, pourquoi on enquête, à ce moment-là, comment ça se passe? Oui, il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir des questions légitimes qui se posent de la part de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne et pourquoi on sort une enquête à tel ou tel moment. Alors, depuis qu'on existe, on a toujours enquêté sur tous les partis politiques, mais pendant une campagne électorale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un candidat, par exemple, comme Fabien Roussel, qui construit tout son message public autour de la valeur travail et du respect de la probité, eh ben, y compris dans ses entourages, il y a des gens qui disent, en fait, c'est pas possible d'entendre ça quand on sait ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il y a un petit fil qui dépasse de la pelote de laine, qu'on est alerté, qu'on dévide un peu la pelote et qu'on découvre des témoignages et des documents qui nous permettent de soutenir l'enquête qui a été publiée par Antoine et Pascal. Et enquête journalistique qui a conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national financier. Absolument, exactement d'ailleurs comme ça s'était passé pour nos révélations sur la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ou dans plein d'autres histoires. Le parquet national financier qui a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics n'est pas réputé être une section de la France insoumise ou une antenne de Mediapart. Fabien Roussel donc est présumé innocent et à notre connaissance donc ces révélations ne souffrent d'aucune plainte pour diffamation. Je vous invite à lire les enquêtes de Mediapart sur Fabien Roussel. Merci Fabrice. Merci Valentine. J'accueille maintenant la candidate à la présidentielle, Nathalie Arthaud. Voilà, donc Nathalie Arthaud qui s'installe. Installez-vous, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Et Mathilde Gohanec du pôle politique de Mediapart qui nous a rejoint pour vous questionner avec moi. Salut Mathilde. Bonsoir. Nathalie Arthaud, je vous présente en quelques mots. Vous êtes enseignante, c'est votre troisième candidature à la présidentielle. Comme Jean-Luc Mélenchon, ça vous fait un point commun, il n'y en a peut-être pas beaucoup, on va en discuter tout à l'heure. Avant de parler de votre programme, des raisons de cette candidature et de pourquoi elle ne peut pas s'inscrire dans un éventuel rassemblement des gauches, une réaction sur ce qu'on vient de voir à propos de Fabien Roussel. Est-ce que vous êtes convaincue par sa défense? Non, enfin moi je ne vais pas participer à règlement de compte à Hockey Corral, voilà. Non, j'ai un certain nombre de divergences et d'oppositions. Ce sont des règlements de compte, les infos non, mais ça bon, d'intérêt général. Moi voilà, je les enquêtes sur les voilà, les, je laisse faire la probité en politique. Les protagonistes. Non, encore une fois, c'est politiquement que j'ai des divergences importantes entre le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon. Mais sur la transparence de la vie publique, la probité en politique, c'est important, c'est problématique d'être un candidat à la présidentielle ou un élu, un homme ou une femme politique et d'être soupçonné de détournement de fonds publics ou d'avoir occupé un emploi pour faire autre chose? Ce sont des questions qui agitent le monde politique c'est depuis certain. Plusieurs années. Voilà, on c'est a beaucoup certain. Parlé de ça, il y a eu l'affaire Fillon en 2017. À l'affaire Fillon avait quand même été une réjouissance dans la dernière campagne présidentielle. Enfin moi j'avais bu du petit lait, c'était excellent. Parce que bon, là, pas celle sur Fabien Roussel. Bah écoutez, il y a quand même une grosse différence. Hein. C'est quand quoi même la différence? La grosse différence c'est qu'il y a eu sa femme, il y a eu son fils, il y a eu sa fille. En plus avec Marc Ladré de la Charrière, voilà. Enfin bon, bref, on voyait que là vraiment, ça brassait de l'argent. Bon, ce qu'on a vu avec Fabien Roussel, c'est que c'était un militant, voilà, du Parti communiste qui s'est pas spécialement enrichi. Enfin bon, donc il n'y a pas d'enrichissement, mais j'ai pas envie, franchement, donc c'est pas trop grave d'être payé par l'Assemblée nationale, mais de travailler pour un parti.
Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que il a donc le parti, il avait droit à un assistant parlementaire, c'est ça ? Le député avec un assistant parlementaire, donc il a choisi de travailler avec Fabien Roussel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Après qu'il se retrouvait tout seul à faire le boulot, bah, il se retrouvait peut-être tout seul à faire le boulot. Bon, donc c'est pas un problème de travailler, d'être payé par A et de travailler pour B. C'est ce qu'on retient. Même quand c'est de l'argent public. Bah alors, il travaillait quand même pour le même député. Il travaillait pour le député et pour son parti. Bah écoutez, bon, moi j'ai pas en discuté pendant une demi-heure. Non, mais très bien, c'est noté. Bon, moi j'ai pas. Allons-y sur l'un des sujets incontournables de cette campagne, la guerre en Ukraine. Mathilde. La guerre en Ukraine et d'abord les conditions du débat sur la guerre en Ukraine, puisque ce soir sur TF1, il y a une émission qui est consacrée à cette question de la guerre en Ukraine. Ça s'appelle La France face à la guerre. Et seuls 8 des 12 candidates et candidats à la présidentielle ont été invités. Vous n'en faites pas partie, comme Philippe Poutou, comme Jean Lassalle, comme Nicolas Dupont-Aignan. Le choix a été fait, selon TF1, sur des règles d'équité du CSA. Est-ce que vous considérez que cette décision est injuste ? Bah, je pense qu'elle... Elle prouve que cette campagne électorale n'est absolument pas démocratique. Il n'y a absolument pas le pluralisme. La réalité, c'est qu'elle a d'abord commencé il y a 6 mois, cette campagne électorale, hein, cette campagne présidentielle. Les entre guillemets grands candidats ont eu droit à des heures et à des heures de d'émissions télévisées aux meilleures heures, et en fait il y a une égalité du temps de parole les 15 derniers jours. C'est autant dire que la campagne est terminée les 15 derniers jours. Voilà, donc effectivement moi je pense que c'est une mascarade. Je pense que, alors ça me fait toujours sourire, l'équité, parce que alors ça fait très scientifique, mais en réalité l'équité, ça veut dire que moi, j'ai droit à 8 minutes à 6h30 du matin ou à 8h le dimanche matin. Voilà. TF1 dit, par exemple, que des reportages vous seront consacrés, notamment dans le 20h, dans les jours qui viennent. Et est-ce que vous considérez que ça, c'est des engagements qui sont factices ? Et par ailleurs, est-ce que vous mettez tout le monde dans le même sac sur ce manque d'équité ou d'égalité, selon le terme qu'on a ? Ah oui, alors là, je mets tout le monde dans le même sac. Mais alors, vraiment, tout le monde ? Tout le monde, ça c'est clair. Mais est-ce que les engagements ont été pris par TF1 pour un reportage dans le 20h qui est regardé par plusieurs millions de personnes ? Mais ça n'a rien à voir. Un reportage sur lutte ouvrière, insistant sur ma campagne, c'est eux qui auront la parole dans ce reportage, c'est eux qui vont le monter, c'est eux qui vont décider des images. Donc évidemment, ce sera leur reportage. Ce ne sera pas Nathalie Arthaud qui défendra sa politique. Mmh. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout l'équivalent. Enfin bon... Personne ne peut être dupe, hein, je pense. Alors, Nathalie Arthaud, ce week-end sur France Info, on continue à parler de la guerre en Ukraine et de rentrer dans le vif de ce sujet. Sur France Info, vous avez qualifié cette guerre de guerre entre brigands, entre Poutine et le camp impérialiste. Vous ne vous rangez ni dans un camp ni dans un autre, avez-vous dit. Si vous dites que Vladimir Poutine est l'agresseur, et ça vous l'avez déjà dit, j'ai écouté vos interviews de ces derniers jours, alors pourquoi renvoyer les deux camps dos à dos comme s'ils avaient in fine exactement la même responsabilité ? C'est ce que vous pensez ? Vous savez... Si on réfléchit à la Première Guerre mondiale, est-ce que ça a du sens de dire que l'Allemagne était l'agresseur ou du côté allemand que la France était l'agresseur ? Est-ce que ça a du sens ? On sait très bien que cette Première Guerre mondiale, elle était en germe, elle était en gestation, elle a d'ailleurs failli démarrer avec, au travers d'autres affrontements, parce que c'était une guerre de rivalité, c'était une guerre pour repartager les colonies, et c'était donc un conflit qui existait entre les puissances impérialistes en développement d'Europe. Donc, il y a bien un agresseur là. Mais il y a toujours celui qui va faire le dernier pas pour déclencher les hostilités. Encore que, y compris ces hostilités, est-ce qu'elles n'ont pas été déclenchées finalement en 2014, hein, en 2014, mm-hmm. Parce que c'est le début... Pourquoi en 2014 ? Parce que c'est le début de la guerre dans le Donbass. En 2014, c'était à nouveau à l'initiative des Russes. Voilà. Déjà à l'initiative des Russes. Ouais, déjà. Mais à l'initiative des Russes, mais en même temps, vous le savez comme moi, répondant aussi à
une volonté expansionniste de la part de l'OTAN. Vous l'avez dit, c'est vous voilà. Considérez que l'OTAN a lancé les hostilités d'une certaine manière. De toute façon, très très clairement, il y a eu une avancée de l'OTAN vers les frontières de la Russie, avec d'ailleurs la multiplication des bases militaires. On a vu, j'ai vu un reportage hier, y compris de soldats américains qui entraînaient des Ukrainiens sur le sol ukrainien. Sur le sol ukrainien, en réalité. Vous voyez, la France a vendu des armes à la Russie jusqu'en 2020. C'est ce qu'on on vient d'apprendre. On vient d'apprendre aujourd'hui. Alors, c'est encore un autre problème. Oui, mais je veux dire... Mais, attendez, restons sur moi, juste ma démonstration. Ma démonstration, c'est qu'en effet, il y a eu cette volonté, finalement, de ceinturer la Russie. Et je suis convaincue que si la Russie avait installé des bases militaires au Mexique, à la frontière donc des États-Unis, ou au Canada, à la frontière des États-Unis, je pense que le président américain l'aurait vécu comme une agression. Et on aurait pu condamner une menace. On aurait pu condamner une invasion des États-Unis. Au Mexique, mais, si ça avait été le cas. Mais est-ce que là, vous dites, le dernier pas a été fait, je vous cite, par la Russie, est-ce que l'avant-dernier pas a été fait par l'Ukraine, c'est ça que vous dites ? Le problème, c'est qu'on est dans un monde... L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. On est dans un monde... On pourra en discuter sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans cette société. On pourra en discuter. Mais, encore une fois, on est dans un ordre impérialiste... qui est en rivalité permanente. Alors dire, le premier qui a lancé les hostilités, c'est lui, et puis après, c'est lui, ça n'a finalement pas tellement de sens. Le problème, c'est qu'en effet, c'est une guerre, on est dans une guerre économique, que ce territoire de la Russie et précédemment de l'Union soviétique, c'était un territoire qui était finalement pas contrôlé, en fait, par les grandes puissances impérialistes, depuis la Révolution russe. C'était une sorte de territoire qui leur était interdit, et ils ont vu l'effondrement de l'Union soviétique comme l'aubaine, comme la bonne opportunité d'y aller et de soumettre en effet ce pays, comme ils ont pu soumettre beaucoup d'autres pays pauvres, comme ils ont soumis l'Afrique. Donc, si vous voulez, moi je suis quand même... je ne suis pas... Mais ils ont soumis l'Ukraine. Je ne suis pas naïve. De toute façon, qu'est-ce qu'ils visent? Parce que vous croyez que l'aide militaire de l'OTAN, des grandes puissances, elle est gratuite? Vous pensez que tous ces moyens qui sont déployés finalement pour dire on va sauver l'Ukraine, ça ne sera pas une façon demain de vassaliser l'Ukraine et de la mettre finalement sous influence? Mais bien vous, sûr. Mais vous savez, vous l'avez d'ailleurs dit, à la radio, mais aussi en meeting, qu'il y a aussi des peuples qui souffrent. Alors on peut débattre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais en l'occurrence le peuple qui souffre actuellement, qui est sous les bombes, c'est le peuple ukrainien. Oui. Donc à partir de cet état de fait, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, est-ce que vous êtes opposé à la mise en place de sanctions économiques vis-à-vis de la Russie, notamment pour protéger le peuple russe, qui, on pourrait dire, n'a rien à voir avec l'affaire, mais alors on laisse par ailleurs le peuple ukrainien sous le feu des canons, quoi. Mais qui on? Qui on? Parce que vous voyez, tout le problème est là, le on. Si nous, les Européens, pour défendre une politique, pour aller aider les Ukrainiens, il faut que l'on en passe par Macron, par le gouvernement Macron, par l'armée française. Il faut qu'on en passe par les marchands d'armes français. Il faut qu'on en passe par l'OTAN, en fait. Le « nous », vous voyez, moi, autant je suis réconfortée et ça me fait chaud au cœur de voir cet élan de générosité qu'il y a dans le pays, y compris pour aller aider, porter des vivres, pour aider les Ukrainiens, pour y compris les recevoir et les accueillir. Et autant je sais ce soutien et cette solidarité-là complètement désintéressée, autant je sais que tout soutien déployé par le gouvernement sera payé en fait par le peuple ukrainien, d'une façon ou d'une autre. Alors moi je comprends tout à fait. Que ça soit intéressé ou pas, pardonnez-moi, je vous interromps pour vous questionner, que ça soit intéressé ou... Si c'est intéressé, il ne faut pas aider? Je pense que... Moi je comprends parfaitement le peuple ukrainien qui demande... d'être aidé, qui demande des armes, qui veut se protéger, etc. Et qui ne veut pas d'influence russe, non. Je le comprends. Et qui, par ailleurs, dit la question n'est pas humanitaire. Ah, mais vous coupez autant sur les autres chaînes, en fait. Ah, bah si, je vous assure. Vous allez t'en rendre compte. Mais ils l'ont dit chez nous, donc c'était important. Alors on n'a pas besoin d'aide humanitaire, en fait. Ce qu'on a besoin, c'est que vous nous aidiez à battre Poutine. C'est les Ukrainiens qui le disent. Alors, je les comprends. Et en même temps, ce que je sais, c'est que tous les peuples qui
à un moment ou à un autre, ont dû s'appuyer sur les puissances impérialistes, s'en sont mordus les doigts, l'ont ô combien regretté. Pensez à ce qui s'est passé au Mali. Pensez à l'intervention de François Hollande en 2013. C'était pareil. Il s'agissait d'y aller pour sauver, et c'était d'ailleurs à la demande des Maliens. Regardez aujourd'hui où en sont les Maliens. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette intervention-là? Est-ce qu'ils pensent qu'elle leur a apporté plus de démocratie, plus de qu'elle les a y compris protégés, en réalité, du racket, de ces bandes terroristes, alors qu'ils se mélangent avec des bandes de bandits, de malfrats, tout simplement. Et qu'est-ce que ça a fait, cette intervention impérialiste en Afghanistan, en Irak? Donc moi, autant je comprends, parce que les guerres, Elles prennent les peuples au dépourvu. Et quand, en effet, le monde du travail, les travailleurs, les classes populaires, les femmes et les hommes d'en bas ne sont pas organisés, ne sont pas en capacité d'agir par elles-mêmes et de défendre leur politique, eh bien, qu'est-ce qu'elles doivent faire? S'en remettre à leurs dirigeants. Quand bien même leurs dirigeants ne représentent pas leurs intérêts, quand bien même, y compris, les mêmes détestaient, par exemple, quelqu'un comme Zelensky, avant l'éclatement de la guerre. Alors, moi, ce que je dis, c'est que, bah oui, on est dans cette situation-là. Bah, en tout cas, nous, ici, en France, on a peut-être cette possibilité-là de se dire, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on défende notre politique, il faut qu'on soit pas dupe des arrière-pensées, des calculs et de la volonté, en effet, impérialiste, de notre propre camp. Donc, moi, j'ai absolument cette préoccupation-là. Parce que, par ailleurs, je sais très bien que c'est quand même une réécriture de l'histoire aussi, d'expliquer que le camp impérialiste va défendre la liberté des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On sait effectivement que ça n'a pas toujours été le cas. L'impérialisme, c'est aussi la misère, c'est le sous-développement, c'est la barbarie dans beaucoup de régions du monde. Et une toute petite dernière question, donc vous êtes pour ou contre un embargo sur le gaz et le pétrole russe, sachant qu'on n'a jamais acheté autant de gaz et de pétrole, c'est en ce moment. Bah d'abord, vous remarquerez que de toute façon, quoi que je dise, ça ne sert à rien. Qui décide? Bah, ce sont les trusts. Bah, la question en tant qu'affaire. Non, mais moi, clairement, on prend votre parole au sérieux puisqu'on vous invite. Donc, on voudrait savoir ce que vous pensez là-dessus, et y compris sur les sanctions des oligarques, parce que c'est un débat qui est. On consacrera l'émission de mercredi à ça. Est-ce qu'il faut sanctionner les oligarques, les proches de Poutine? Et est-ce qu'il faut, comme le demande Mathilde, un embargo ou pas sur le pétrole et le gaz russe? Non, mais je pense qu'on peut sanctionner les oligarques, mais de toute façon, ça leur fera même pas mal. Mais bien sûr, parce que... Bon, alors, bien sûr que... Qu'est-ce qu'on fait, alors? Les oligarques, peut-être qu'ils disaient, on va continuer notre business, etc., ou continuer d'aller sur la Côte d'Azur, mais ce sont des gens qui sont multimillionnaires, même milliardaires, en réalité. Alors, ils ont des belles datchas en Russie, ne vous inquiétez pas, eux, ça leur fera même pas mal. Si alors, on les frappe au portefeuille, ils imaginaient l'avenir. Les choses. Ils imaginaient l'avenir de leurs affaires autrement. Aucun doute. Mais les sanctions, elles seront subies par les femmes et les hommes qui vivent déjà avec des difficultés, qui sont déjà dans la misère, qui vont manquer de médicaments, qui vont manquer de produits de première nécessité. Moi, j'ai tellement en tête ce qui s'est passé en Irak, avec cet embargo en Irak. L'embargo en Irak, qui l'a payé? Ce sont les enfants, ce sont les plus pauvres. Il y a eu quoi? Plus de 600 000 morts en Irak à cause de l'embargo, des sanctions. Et vous parlez des sanctions. Non, mais vous parlez beaucoup des Russes et c'est tout à fait légitime. Hein, c'est la question. Ah bah vous m'avez pas laissé parler des Ukrainiens. Si, vous parlez des Ukrainiens, quoi, si vous voulez. On fait quoi des Ukrainiens qui sont bombardés? On fait quoi de ces villes entières ukrainiennes qui sont détruites actuellement? C'est la question. Elle se pose pour les deux peuples, les Russes et les Ukrainiens. Je dirais même a fortiori pour les Ukrainiens. Vous remarquerez que nos dirigeants qui ne veulent pas de cette guerre, de toute façon, ne sont pas prêts. Sont pas prêts à y mettre. Ils y mettent un petit peu le petit doigt, mais enfin, ils essayent de pas trop le montrer. Mais vous voyez que, en réalité, même eux, c'est d'une hypocrisie sans nom. Parce que, voilà, ils se posent en défenseurs de la paix, en rempart et en protecteurs, mais la réalité, c'est qu'ils laissent le peuple ukrainien sous les bombes. Et ce sont eux qui ont mis le peuple ukrainien sous les bombes. Et moi, c'est ça aussi qui fait que je suis révoltée. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on va faire passer le camp occidental pour les défenseurs de la paix. Ils ont joué avec la peau du peuple ukrainien, parce qu'ils ont fait de l'Ukraine le théâtre de leur rivalité, et ils le savaient pertinemment. Quand les Américains vont entraîner des soldats ukrainiens
à 300 km de la frontière russe, ils savent très bien qu'ils jettent de l'huile sur le feu. Ils le savent, encore alors, une est-ce fois. Est-ce qu'on considère que la France jette de l'huile sur le feu quand elle vend des armes à la Russie? Bien sûr qu'elle jette, elle balance des armes. Oui, à la Russie. Vous dites que ça jette de l'huile sur le feu parce que ça va énerver. Bien sûr que ça jette de l'huile sur le feu. Ça va énerver le pouvoir russe, mais en réalité, le pouvoir russe, il est tout aussi abondé en armes que pourrait l'être. Oui, parce que figurez-vous que ça tient pas totalement ce raisonnement de dire que finalement les Occidentaux mettent de l'huile sur le feu en Ukraine et que du coup, d'une certaine manière, ça ne pouvait pas en être autrement. Eh ben oui, considérant que c'est la même responsabilité. On est dans un ordre social où il n'y a que le fric, le business, le commerce qui compte, et c'est d'un cynisme sans nom. Ils peuvent à la fois prétendre défendre un peuple de son ennemi, et puis finalement, livrer des armes, alors même qu'il y a un embargo, alors même qu'ils prétendent faire un embargo sur les armes vis-à-vis de la Russie. Parce que là, attention, la livraison des armes. Il faut expliquer que les marchands d'armes français ont vendu des armes à la Russie. De 2015 à 2020. Malgré l'embargo européen. Malgré que la guerre ait donc démarré dans le Donbass. 15 000 morts. C'est d'ailleurs suite à ça qu'il y avait un embargo. 15 000 morts dans le Donbass. Respecté par la France. Pour que je parle bien des Ukrainiens. 15 000 morts dans le Donbass. Information. Alors, Ukrainiens qui se sentaient d'ailleurs. Ukrainiens et russes en même temps, mais c'est ça aussi qui me révolte. C'est que vous dites, le partage, il est net. Il y a les Ukrainiens d'un côté, les Russes de l'autre. Le partage n'est pas net. Moi, ce qui fait raison, c'est mêlé, mais je ne pense pas que beaucoup d'Ukrainiens se sentent russes, voyez, y compris en 2000. Ce qui me révolte, c'est ça. Ça aussi, c'est le fruit de c'est le résultat de la politique de Poutine. C'est que, y compris le sentiment nationaliste qui existait peut-être, mais en tout cas pas. Eh bien là, il l'a exacerbé. Et ça aussi, c'est criminel. C'est criminel parce qu'en réalité, c'était deux peuples frères qui vivaient entremêlés, qui vivaient sans se regarder comme russes ou comme ukrainiens, et qui vivaient. Et ça, ils vont le payer. Y compris quand la guerre s'arrêtera, ils vont le payer pendant des générations et des générations. Donc c'est ça aussi qui est criminel dans la politique de Poutine. passons à votre candidature et à ce qu'elle représente. Aux deux dernières présidentielles, vous avez fait moins de 1%. Ce n'est pas vous faire offense que dire que votre ambition, elle n'est pas de gouverner, mais vous êtes là pour porter un discours révolutionnaire, pour tenir un cap et la barre le plus à gauche possible. À quoi sert lutte ouvrière dans cette période et à quoi sert lutte ouvrière tout court? Quelle est votre mission? Eh bien, j'espère que ça sert à tous ceux qui ont envie de se défendre, à tous ceux dans le monde du travail, aux femmes et aux hommes, donc de la classe ouvrière et plus largement du monde du travail, qui cherchent à défendre ses intérêts, à se battre pour leur salaire, à se battre pour leur emploi, à se battre contre des salaires de misère, à se battre contre l'exploitation. Voilà, j'espère que ça les arme, que ça les conforte dans leur volonté de s'organiser et de partir à la bagarre. Que ça les arme. Et est-ce que vous pensez aussi, est-ce qu'on peut aussi considérer que lutte ouvrière rappelle par son existence même la gauche en général à sa mauvaise conscience, puisqu'elle peut avoir tendance à pousser le curseur bien loin de votre curseur à vous. Or, on peut avoir le sentiment que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Si je prends l'exemple du capitalisme et du climat, l'idée de renverser le capitalisme est redevenue légitime dans le débat public. Les jeunes disent ça aujourd'hui dans les marches climat, des candidats de gauche parlent aussi du renversement du capitalisme, et pas seulement à lutte ouvrière ou pas seulement à l'extrême gauche. Donc est-ce que... On n'entend quand même pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon parler du renversement du capitalisme. Ah quand même, je pense qu'on est, pas sur renverser le capitalisme, mais en tout cas on est dans une remise en cause bien plus nette qu'il y a 10-15 ans au moment où la social-démocratie était dominante d'une certaine manière. Donc ce que je veux dire, c'est que le discours que vous portez, la question de la lutte des classes, du camp des travailleurs, des travailleuses, est-ce qu'elle n'est pas finalement, est-ce que ce n'est pas des outils un peu datés, par exemple, par rapport à la question climatique, qui est aussi génératrice de ce genre de bouleversement, de même du système de pensée dans lequel on vit? Pour moi, c'est exactement le contraire. Parce que si nous disons qu'il faut renverser le capitalisme, la question qui se pose immédiatement derrière, c'est comment? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela signifie, renverser le capitalisme? Renverser le capitalisme, cela signifie exproprier
les multinationales expropriaient la classe capitaliste, expropriaient la grande bourgeoisie des moyens de production. Et cela signifie de collectiviser ces moyens de production. Qui d'autre que le monde du travail est en capacité de le faire, de mener ce combat? Qui d'autre que les femmes et les hommes qui produisent les profits, qui produisent les capitaux, qui produisent les dividendes sont en mesure de s'attaquer à cette propriété privée capitaliste? Non, moi, je n'en vois pas. Le constat, vous le faites, et vous le faites de manière régulière et à chaque échéance présidentielle, haut et fort, je dirais. La question, c'est celle du pouvoir de conviction de votre parti et de votre parole. Mm-hmm. C'est pour ça que je prends l'exemple du climat, parce que c'est un discours qui, pour le coup, peut porter, peut influencer, ouais, peut infléchir. Et donc, ce discours-là que vous portez, est-ce qu'il ne faut pas le réactualiser aussi au regard des enjeux d'aujourd'hui ? Enfin, oui, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la lutte pour le climat qui a amené toute une partie de la jeunesse à dire qu'il fallait renverser le capitalisme. Ce n'est pas la lutte des classes qui les a amenés à dire ça. Non, mais ça, c'est très bien. Et moi, ça, franchement, je m'en réjouis que des jeunes en viennent à cette conscience-là. Mais ces jeunes, ils constatent qu'ils n'ont pas de levier, ils n'ont pas prise finalement sur ces multinationales. Autrement qu'en disant, on va peut-être faire une grève de la consommation, ou etc. Mais ils voient bien que c'est quand même un instrument qui d'ailleurs, ils n'arrivent pas en réalité à l'actionner. Donc, ils mesurent que finalement, il leur manque un levier. Alors moi, j'ai envie de m'adresser à cette jeunesse en leur disant, le levier, il existe. Le levier, c'est précisément le monde du travail. Parce qu'en réalité, la grande bourgeoisie, les capitalistes sont dépendants du monde du travail. Ils sont dépendants parce que si le monde du travail ne produit plus ses richesses, ne produit plus ses profits et ses dividendes, eh bien ils sont complètement, complètement désarmés. Donc moi j'ai envie de dire à ces jeunes, votre révolte, votre capacité de révolte et votre volonté de changer la société, eh bien il faut absolument qu'elle se tourne justement et que il faut s'engager. Oui, pour donner cette conscience au monde du travail que c'est à lui finalement de changer cette société. Il faut aussi se reconnaître dans ce monde du travail. Mmh. On voulait aussi vous questionner rapidement sur la question des gilets jaunes, parce que la question du fin du monde, fin du mois, pour continuer sur cette idée que le monde devait changer à la fois socialement, économiquement et au niveau écologique. C'est un slogan très lutte ouvrière d'une certaine manière et pourtant il a été porté par des gilets jaunes. Mouvement que vous avez regardé au début, en tout cas, avec grande distance. Justement parce qu'il ne se sentait pas, je pense que personne ne se revendiquait du camp des travailleurs et d'une même classe sociale, d'une classe sociale unifiée. Et pourtant, c'est un mouvement qui a produit ce type de revendications et de slogans. Ben écoutez, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes de ceux qui n'avons jamais tordu le nez vis-à-vis des gilets jaunes. Eh bien non, alors écoutez, allez-y, faites une enquête sur ce qu'on a pu écrire dès le premier jour de la mobilisation et vous verrez. Pour le coup, Mathilde a suivi de très très près. Honnêtement, il y avait beaucoup de militants. Alors attendez, il y avait beaucoup sur les ronds-points de militants, notamment du NPA sur les ronds-points. Il y avait certains militants de la France Insoumise, il n'y avait pas beaucoup de militants du Souverain. Écoutez, le NPA, sa ligne politique, c'était attention, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite et attention, ça a été dès le départ. Nous, dès le départ, on a dit, eh bien, on va aller discuter, on va aller voir, etc. Mais vous le savez comme moi que sur les ronds-points, les gilets jaunes mobilisés ne voulaient pas d'étiquette politique. Non, ils acceptaient les bonnes volontés. Vous savez comme moi. Y compris les discours politiques. Voilà, qu'ils ne voulaient pas. Ils acceptaient les discours politiques, pas les étiquettes, mais les discours politiques. Exactement. Donc il y a eu autant de militants de lutte ouvrière, et je peux vous le dire, dès le départ. Maintenant, c'est vrai qu'on a défendu une politique dans le mouvement des Gilets jaunes. Et la politique, c'était de nous adresser aux Gilets jaunes qui étaient dans les entreprises, parce qu'en réalité, dans les Gilets jaunes, il y avait beaucoup aussi de salariés, d'ouvriers, mais y compris de grandes entreprises. Alors c'était assez drôle, parce que quand ils arrivaient sur le parking de l'entreprise, ils laissaient leurs Gilets jaunes sur le pare-brise. Bah nous, dans les entreprises, toute notre politique, ça a été de leur dire, ne laisse pas ton Gilet jaune sur le pare-brise. Il faut qu'on fasse rentrer la contestation sociale dans l'entreprise. Il faut qu'on fasse... Qu'on relaye et qu'on entre dans la danse, nous, avec la force qu'on a pour attaquer finalement le grand patronat au cœur même, c'est-à-dire à son portefeuille. Parce que si on parle de pouvoir d'achat, il ne faut pas seulement viser et demander des comptes à Macron, il faut aussi demander des comptes à ceux qui fixent nos salaires, ceux qui les ont bloqués, ceux qui ne nous payent pas suffisamment. Donc ça a été ça notre politique. Et encore une fois, non, vous ne trouverez pas justement aucun texte, aucune prise de parole pour dire... Attention, il y a des idées d'extrême droite, parce que nous savons très bien que s'il y a un mouvement qui surgit
de la base, eh bien, il va surgir avec y compris les toutes les influences politiques qui aujourd'hui, bien sûr, existent dans le monde du travail. Et il y a une influence politique, oui, malheureusement, de ces idées d'extrême droite. Donc ça, on le sait pertinemment. Bon, donc, pour nous, ça n'a jamais été une raison de ne pas aller discuter. Mais encore une fois, on avait une politique. Et la politique, c'était de dire, si on ne veut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, il va falloir que ça se porte dans les entreprises. Parce que, vous savez, le grand patronat, il a peut-être senti le vent du boulet. Mais le boulet, il est quand même passé loin de lui. Et il s'est dit, pendant toute cette phase-là, que finalement, ce n'était pas lui qui était visé, c'était Emmanuel Macron et son gouvernement. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et moi, je le redis, et toute notre politique, c'est pour dire cela, justement. On a cette force-là, cette force de se battre, mais il faut viser et demander des comptes et s'affronter au grand patronat. Alors, parlons de votre rapport, votre non-rapport à la gauche classique de gouvernement. Vous ne vous reconnaissez pas dans Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit récemment, vous l'avez dit par le passé, c'est assez constant. Si le second tour l'oppose à Emmanuel Macron, est-ce que vous appellerez à voter pour le candidat insoumis ? Non, mais moi, je fais toute ma campagne pour dire que la capacité de nous protéger, la capacité de nous défendre, nous l'avons, nous, en tant que salariés, en tant que retraités, parce qu'on forme un camp social. On forme un camp social et il faut qu'on se batte. Et en se battant, en se mobilisant, on peut peut-être arrêter les coups qui vont nous tomber sur la tête. Parce que c'est non. Juste, ma question est non. La question à votre la réponse, c'est que c'est pas mon sujet. C'est pas du tout mon sujet. Mon sujet dans cette campagne, c'est précisément de dire que quel que soit celui qui va sortir des urnes, de toute façon, il va y avoir une avalanche d'attaques, et plus encore avec la guerre. Plus encore avec la guerre, parce que là, on nous dit clairement que la guerre, elle va attendre tout. Mmh. Et effectivement, il va y avoir une guerre économique encore plus féroce. Il va y avoir cette inflation qui revient. Donc, on va en prendre plein la figure. Ouais. Et toujours, ils vont nous expliquer, c'est à cause de la guerre, il faut faire des sacrifices, etc. Donc, moi, ma campagne, la raison de ma campagne, c'est de dire, face à ça, il va falloir qu'on se mobilise. Donc il faut Macron qu'on égale Mélenchon à nous défendre. Exactement pareil. Non, pas du égal, tout. Même effet. Ça, ce sont vos mots. Non, mais c'est ça, une question de vos mots. Parce que s'il faut choisir entre cette alternative Mélenchon-Macron au second tour d'une présidentielle, est-ce que la stratégie du moins pire, alors si je reformule comme ça, est-ce que la stratégie du moins pire n'est pas nécessaire dans un moment crucial où les travailleurs, les travailleuses, les précaires vivent de plein fouet le réel qui est pour eux l'exclusion sociale, la pauvreté pour 10 millions de personnes en France. Moi, je n'ai pas envie de dire aux travailleurs... Est-ce que le petit pas n'est pas mieux On va se noyer, il y aura, essayer de vous raccrocher. Bon. Comment peut-on ne pas se noyer? Comment peut-on... Voilà. Moi, encore une fois, ma candidature, c'est un appel au combat. C'est un appel à la mobilisation. C'est un appel à dire que, contrairement à ce que nous fout dans le crâne cette société... Hein, où on nous dit tous les jours qu'il faut forcément s'en remettre à des politiciens professionnels, à un président de la République, à un chef, à un patron. Eh bien, on peut faire les choses nous-mêmes en tant que travailleurs. On peut nous organiser, on peut définir notre politique, on peut agir par soi-même. On fait tout dans cette société, on fait tout tourner. Enfin, on peut aussi se diriger soi-même, se diriger nous-mêmes. Donc c'est cette conscience-là, moi, que je veux mettre en avant. Dans un grand nombre de luttes sociales de ces dernières années, retraite, SNCF, RATP, enfin voilà, on peut les multiplier, hôpital, éducation, souvent, les gens que vous défendez et qui partagent, je pense, vos idées, disent, ok, on est dans la rue, on se mobilise par nous-mêmes, pour nous-mêmes, par nos propres organisations, mais il nous manque un relais politique. Et c'est ça qui bloque. Et donc, à ces gens-là, j'imagine, pourraient se dire, il nous faut une victoire, il nous faut une victoire politique. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est pas du tout ce que j'ai entendu, par exemple, pendant la grève sur les retraites, qui était menée, tambour battant, par la RATP et par la SNCF. Et j'ai suivi de près, et j'étais dans les manifestations, parce que dans l'éducation nationale, fort heureusement, il y a eu quand même un vrai mouvement de grève qui est resté, donc j'étais aussi gréviste. J'ai suivi ce mouvement et je peux vous dire que c'était pas du tout ce que j'entendais sur les piquets de grève et dans les assemblées générales.
général. Ce que j'entendais, c'était il faut essayer d'aller voir le privé, il faut essayer d'aller entraîner telle ou autre entreprise, il faut que ce mouvement il se développe, il faut qu'on soit plus nombreux en grève, plus nombreux en manifestation. C'est ça que j'entends. C'est les politiciens qui expliquent qu'il faut un débouché politique, etc., etc. Non, le débouché politique sur une grève qui s'étend, qui est, comment dire, contagieuse, il arrive tout de suite. C'est que le camp d'en face, il lâche. Oui, le camp encore d'en face, il cède. Que la grève soit contagieuse. Voilà. Et faut-il encore que la grève soit contagieuse ? Eh bien, moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, j'étais avec des grévistes qui avaient cette préoccupation-là, cette préoccupation d'étendre la grève, de faire en sorte qu'en particulier, elle touche le privé. Parce que vous savez, à chaque fois, finalement, que le gouvernement a cédé, c'est aussi parce que le grand patronat, il commençait à avoir la trouille de perdre beaucoup d'argent, la trouille de perdre finalement le contrôle de la situation. Et malheureusement, ce rapport de force-là, on ne l'a pas atteint depuis pas mal d'années, en fait. Continuons sur les luttes et sur votre vision des luttes, Mathilde, sur la question de la sécurité. Oui, parce que lutte ouvrière est impliquée, est très impliquée et reconnue sur la défense des travailleurs sans papier, notamment. Et pourtant, on peut dire que vous avez une vision, vous n'allez pas être d'accord peut-être, mais assez universaliste de la question, où la question sociale prime, a le primat sur l'ensemble des autres revendications. En gros, à la convergence des luttes sur la question du racisme, la question de l'égalité homme-femme, la question des revendications LGBT. Et c'est d'ailleurs une question qui vous est posée, les revendications plus intersectionnelles. C'est une question qui vous est posée aussi par des sympathisants, des sympathisantes qui peuvent vous interroger là-dessus. Est-ce que vous considérez pas que cette lecture avec un primat de la question sociale sur les autres n'est pas un peu datée et surtout, en termes d'efficacité politique, vous éloignerait d'un type de public qui pourrait se reconnaître dans votre camp mais qui s'en éloigne parce que les questions qui sont prioritaires pour elles ne sont pas traitées? Bah, moi, je pense que si on n'avance pas, c'est précisément parce que ce ciment que constituait la conscience de classe, hein, c'est-à-dire la conscience d'avoir vraiment à faire reculer cette société d'exploitation qui aggrave la précarité, le chômage de masse, qui aggrave l'isolement, qui finalement nous émiette, hein, et bien cette conscience de classe-là, elle recule. Et je sais bien qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont très engagés sur des combats qui sont très légitimes. Hein, vous les avez cités, sur contre le racisme, etc. Combats qu'il faut mener dans cette société, mais il y a une multitude d'oppressions et bien sûr une multitude de combats à mener. Mais moi, je pense que justement, tant que le monde du travail ne relève pas la tête collectivement, eh bien, finalement, on va s'épuiser. Non. Mais c'est toujours la même question. Pour se sentir, on va s'épuiser dans ces combats sans véritablement trouver le moyen de refaire la bascule. Moi, ce que j'ai en tête, c'est comment mai 68, cette magnifique grève générale, et y compris qui avait justement entraîné des femmes, des hommes, etc., a finalement créé une série de micro-révolutions. Y compris pour les femmes, et c'est parce que ça a été un point d'impulsion fantastique pour y compris faire avancer les consciences, et les consciences ouvrières sur la question du sexisme, du racisme, etc. Une partie des ouvriers de mai 68, notamment des ouvriers issus de l'immigration, ont dit très clairement qu'ils ne s'étaient pas sentis concernés par mai 68, parce que pour se sentir appartenir à une lutte collective, encore faut-il se sentir appartenir à un collectif. Donc c'est cette question-là qui vous est posée sur l'appréhension de l'intersectionnalité. Alors, je ne sais pas de quels ouvriers vous parlez de mai 68, mais moi ce que je sais, c'est que les ouvriers de Billancourt, les ouvriers qui sont retrouvés quand même avec 15 jours, 3 semaines de grève générale, ils sont sentis très concernés. Je ne sais pas où est-ce que vous avez entendu ça. La parole était plutôt des ouvriers blancs. Alors, après, vous posez une autre question. Oui. Ça, c'est une autre question. C'est la question de la démocratie ouvrière dans le mouvement. C'est la même question. Dans la grève. Non, parce que la question de dire que les ouvriers marocains qui étaient à Flins ou maliens ne se sont pas sentis concernés par mai 68, alors là, je ne peux pas du tout être d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, mes camarades qui me racontent mai 68, ils m'ont raconté comment ils avaient vécu ces moments très forts. Mais ce qu'ils m'ont raconté aussi, ça a été le couvercle qui a été mis, en effet, par les organisations syndicales. Oui. Ça, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'assemblées
l'Assemblée générale. En tout cas, quand il y en avait, ils étaient impulsés par des militants comme les militants de lutte ouvrière, par exemple, ou les militants qu'on appelait les gauchistes. C'est eux qui voulaient les discussions, c'est eux qui voulaient que les grévistes soient maîtres de leur grève, de leur action, de leur mobilisation. Bon, mais ils étaient confrontés à une bureaucratie et finalement un appareil, CGT, qui lui tenait bien la lance à eau pour éteindre l'incendie. Donc voilà, mais c'est un autre problème. Si on sort de mai 68, mais qu'on reste dans ces questions qui peuvent concerner ce qu'on peut appeler les minorités, je repense à une de vos réactions à propos d'une affiche d'une femme voilée de la FCPE, donc la principale association de parents d'élèves, qui avait fait un affichage pour promouvoir les sorties scolaires sur laquelle se trouvait une femme voilée qui était donc censée accompagner des sorties scolaires. Vous aviez dit à l'époque qu'il y avait dans cette affiche une revendication, celle d'avoir la liberté de porter le foulard. Vous estimez, comme une partie des féministes, que le voile est une oppression et un symbole de soumission. Ce sont vos mots. Qu'est-ce que vous dites à une femme musulmane qui pourrait partager vos idées sur la lutte des travailleurs, mais qui serait choquée par ces propos? Bah, je lui dis, on se bat ensemble. Et en quoi le voile l'empêche? Le voile ne l'empêche pas. Je lui dis, eh bien, on est dans le même camp, on fait partie du monde du travail, on a en effet un ordre social à changer, on a un grand patronat contre lequel combattre, donc je lui dis, on se bat ensemble. On se bat ensemble, on est dans le même camp, et moi je me sens une sœur, voilà, tout simplement. Et elle peut venir à Hello avec son foulard. Alors, attendez, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, c'est ça, mais la question. Ça n'a rien à voir. Lutte ouvrière, c'est un rassemblement de militants révolutionnaires, communistes et révolutionnaires. Donc, des militants qui, y compris, affichent une certaine... C'est historique, effectivement. Non, c'est pas seulement historique, c'est que nous, on pense que, comme Marx, la religion, elle joue un rôle aussi... De résignation en réalité, c'est-à-dire que c'est donc elle peut pas venir, cette femme qui porte un foulard mais qui se sent pleinement dans le camp des travailleurs ou des travailleuses. Mais on se battra ensemble et j'espère qu'on fera la révolution ensemble mais moi je respecterai ses croyances. Et elle, elle respectera aussi mes convictions communistes, révolutionnaires et athées. Elle peut pense qu'on fera la révolution ensemble. Parce que vous savez, les révolutions, vous prenez la révolution russe... Pardonnez-moi, je me permets de vous interrompre. Cette femme qui porte le foulard, elle respecte votre conviction athée. Est-ce qu'elle peut venir avec un signe extérieur de foi, à savoir le foulard? Est-ce qu'elle peut venir avec son foulard? Mais venir militer à LO, prendre sa carte au parti, faire votre campagne? Donc, notre parti rassemble... C'est possible ou pas? Bien sûr, elle peut faire la campagne, elle peut soutenir, elle peut... Voilà, il n'y a aucun problème. Mais, par contre, notre parti rassemble des militants qui sont convaincus sur un certain nombre de... Il y a un socle, une base commune qu'on partage, et ce socle et cette base commune qu'on partage, c'est l'athéisme. Mais ça veut dire quoi? C'est l'athéisme. Oui. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi concrètement? C'est l'athéisme comme ça veut dire que justement, on se sent libre, complètement libre de nos choix, et qu'on ne se sent pas, comment dire, guidé par une croyance en Dieu, ou de quelque sorte, et qu'on pense que l'homme est maître de son destin. Voilà, et qu'on pense que l'homme est maître de son destin. Donc ça va de pair avec effectivement Pardonnez-moi, vous pensez que le fondement et la base communiste n'est pas libre de une femme qui porte un voile aujourd'hui en France n'est pas libre de son choix. Et maître de son destin. Moi, de son destin. Je ne sais pas ce qu'elle pense, mais ce que je sais, c'est que elle le sait peut-être. Ben oui. Exactement. Excusez-moi. Mais vous semblez dire que c'est pas possible. Enfin, moi, son voile atteste de sa croyance en Dieu, atteste de sa soumission aux lois de Dieu, atteste. Voilà, c'est moi. Je ne fais que constater. Ça n'atteste pas de son libre choix. Je ne fais constater. Pardonnez-moi, mais c'est son libre choix qui porte un crop top et que Jean-Michel Blanquer empêche de porter un crop top. Vous n'allez pas me faire dire ce que je pense pas et ce que j'ai pas dit. Mm-hmm. C'est son libre choix, mais son choix justement et ses convictions sont de croire en Dieu, sont de croire dans une certaine discipline, avec un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les femmes et qui ne pèsent pas sur les hommes. C'est son choix. Donc moi, je suis absolument contre toutes les interdictions, et je sais bien qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle en fait son beurre, etc. Et je veux rien avoir... j'ai rien à voir avec cela. Et clairement, ces femmes-là, mais bien sûr qu'elles vont se battre. D'ailleurs, il y en a un certain nombre, et que je suis allée soutenir, qui se battaient, en particulier...
dans l'entreprise de nettoyage de la faculté de Jussieu, par exemple. Mm-hmm. Et je sais que ce sont des femmes qui sont extrêmement combatives. On les a suivies, y compris travaillent chez Accor. Chez Accor, à l'hôtel, dans les hôtels Ibis, elles sont très combatives et elles ont aussi leurs convictions. Absolument. Que je respecte. La question de la fin, c'est Mathilde. Non, c'est que la politique, c'est aussi voilà, du plaisir, de la joie, des envies d'émancipation que vous défendez, j'imagine, mais aussi un imaginaire culturel. Et dans votre programme, on était un peu surprise avec Valentine, dans votre livret programmatique, c'est pas un programme, voilà, tac-tac-tac, chiffré A, B, C. Il n'y a pas le mot culture, il n'y a pas le mot éducation, vous êtes vous-même enseignante, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus à vos futurs électeurs et électrices? Bah, c'est dommage, vous êtes arrêté à la petite brochure, mais j'ai écrit un livre qui accompagne cette campagne. Ça fait quand même quelques pages, cette brochure, qui n'est pas le mot culture et éducation, en plus, de la part d'une enseignante, ça nous a étonnés. Donc, je vous dis que j'ai écrit un livre qui n'est pas très long, il fait même pas 200 pages, où il y a tout un chapitre sur la culture, sur l'éducation et sur beaucoup d'autres thématiques d'ailleurs aussi, sur le racisme, sur les croyances, etc. Et où je développe en effet mes convictions. Moi, je suis convaincue qu'une société débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, je suis convaincue qu'une société sans classe, une société qui sera dirigée par les femmes et les hommes qui font tourner cette société, c'est-à-dire voilà, par chacun d'entre nous, cette société-là, elle va transformer les hommes et les femmes. Elle va les transformer et qu'on sera très différents et que effectivement, d'abord, on pourra consacrer du temps, là, véritablement, à la culture, et la culture ne sera plus un privilège pour les riches, pour ceux qui ont un petit peu de temps, pour ceux qui ne sont pas cassés et broyés par le boulot. Je pense que l'éducation, elle n'aura plus rien à voir, y compris l'éducation, elle pourra se faire tout au long de sa vie. Je pense qu'on pourra avoir plusieurs métiers, je pense qu'on pourra avoir plusieurs vies dans une même vie. Voilà, tout ça, c'est ce qui participe de mon engagement. Parce que moi, je suis fondamentalement optimiste. Ce que je vois, c'est que cette société, elle recèle des moyens et des possibilités mais incroyables pour émanciper les êtres humains, les hommes et les femmes. Moi, je suis convaincue que dans une telle société, d'abord, je suis convaincue qu'une société communiste qui pourra mettre en place des relations fraternelles entre les peuples, elle fera disparaître les frontières. Et je ne pense pas qu'on se définira en fonction du pays où on est né. Moi, je suis convaincue que cette société-là, le communisme, qui permettra de dépasser... Ce qui rejoint votre critique du nationalisme de tout. Oui, oui. Je pense que ça sera peut-être une autre étape dans l'évolution humaine, en fait. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de... comment dire, beaucoup d'aspirations dans tous ces domaines-là. Merci Nathalie Arthaud. Vous n'êtes pas sur TF1 ce soir, mais vous étiez pendant 50 minutes dans À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle. Merci d'être passée sur le plateau. Je vous remercie. Merci. Merci Mathilde. Merci à vous de nous suivre chaque soir. Demain, c'est Mathieu Manudex et Fabien Escalona pour une émission spéciale sur la guerre en Ukraine, ses conséquences géopolitiques et l'accueil des réfugiés. Bonne soirée, salut.